Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans un hall action. Bon, pas très très, voilà, mais un petit hall action. Ça faisait longtemps que j'y étais pas passé. Et puis là, ça m'a pris en revenant de la vaccination, mais c'est carrément l'opposé, mais c'est pas grave, ça m'a pris d'aller faire un petit tour. J'ai pensé, tant que je suis en voiture, allons-y gaiement. Donc, j'ai trouvé. Bon, il y aura peut-être un petit peu de bruit de temps en temps. Donc j'ai repris un carnet comme ceci avec aquamarqueur et alcool. Bon, je le prends toujours pour Apolline, pour ma petite fille, pour ma fille. Parce que là-dedans, elle y fait de tout. C'est un cahier qui revient pas trop cher à 1 euro et des patates. Donc là, il y a du papier qui est aquarelle. Donc après, elle peut s'amuser soit à coller des stickers, soit avec les crayons de couleur, les feutres, etc. Donc j'ai trouvé que ça faisait l'affaire pour ce qu'elle en faisait. Voilà. Ensuite, j'ai regardé une vidéo de Scrap Suite qui faisait des albums avec des enveloppes. J'ai jamais testé. Donc, j'ai acheté des enveloppes comme ça. J'ai acheté des enveloppes comme ça. Et est-ce que j'en ai d'autres? Non. J'en ai pas pris d'autres. Juste des enveloppes à bulles. Bon, je vous donne pas les tarifs parce qu'en gros, vous les connaissez, c'est moins d'un euro, c'est à peu près 80 centimes. Ensuite, j'ai pris des faux cuirs. Donc, ah oui, il est là. Donc, j'ai pris des faux cuirs. Donc là, avec la lumière, ça reflète un peu. Donc voilà, là, il y a du brillant, un petit peu rose métallique. Donc, c'est pas spécialement fait pour le scrap. Je pense que je vais peut-être me lancer dans un petit projet couture à voir. Donc là aussi, j'ai beaucoup aimé ça pour faire une petite trousse éventuellement. Projet couture, bien évidemment. Donc à voir si c'est assez grand. Donc les deux là, c'était aussi 1 euro et des patates. Ensuite, pour ma fille, je lui ai pris des stickers qu'elle peut coller dans le cahier que je lui ai acheté ou que sur une carte quand elle fait comment dire, des créas avec moi, parce que la dernière fois elle a fait un super fond avec les feutres à alcool de chez Action. Parce que j'ai dit, pour ce qu'elle en fait, elle a pas tout à fait 3 ans, elle aura 3 ans en avril, donc pour ce qu'elle en fait, ça fera l'affaire. Donc elle a essayé de vaporiser avec l'eau, ça a pas trop bien marché, donc c'est moi qui lui ai fait, mais le rendu était excellent. Donc pourquoi pas éventuellement faire une petite carte à voir. Donc j'ai pris avec des licornes, du soleil, des sucettes. Là j'ai pris avec des petits animaux de la ferme, la petite pays un petit peu printanier. Ensuite j'ai pris des puffy, des stickers puffy. Oh, j'ai même pas vu qu'il y avait recto verso. Oh, c'est sympa comme tout. Donc il y en a des deux côtés. Donc ça c'était dans le rayon enfant, hein. Donc il y en a des deux côtés. Et voilà. Donc, en faisant le tour du magasin, j'ai vu qu'ils avaient sorti 2-3 bricoles de Pâques. Donc, j'ai déjà pris des stickers de Pâques. Je me suis dit, j'en prends avant qu'il n'y en ait plus. Parce que, après, voilà, ça part très très vite chez Action. J'ai repris de la pâte durcissante. Et puis, j'ai pris. J'en avais deux ou trois? Un, deux. Et normalement, il y en a un troisième. Mais bon. Je ne sais pas où il est. Donc, j'ai pris le tampon pour le printemps avec l'oiseau, les bourgeons, etc. Ça peut servir pour moi ou pour Apolline. Le petit éléphant, je pense que c'est un petit peu Apolline qui va s'en servir, mais à voir. Mais j'ai beaucoup aimé. Et normalement, j'avais pris la girafe, mais je ne le trouve pas. Donc,
Est-il encore dans ma voiture? Ou après, on ne sait pas, hein? Ou au fond du sac, je ne sais pas. Donc là, j'ai repris du papier aquarelle parce que j'ai un projet avec mes enfants au périscolaire. Enfin, mes enfants, ce n'est pas les miens, c'est ceux de leurs parents. Mais bon, moi, c'est au périscolaire, j'ai prévu de faire un truc. Donc, s'ils sont trop nombreux, je prendrai le papier. S'ils ne sont pas trop nombreux, ben, je prendrai les planches, comment que ça s'appelle encore? Les. Oh, comment que ça s'appelle? Dites-moi. Les cartons entoilés. Donc là, j'ai pris trois lots. Trois lots de trois, donc ce qui fait 3 fois 3, 9. Bien. Donc, à voir. Et c'est, je ne sais jamais perdu, donc sinon, voilà. Et ensuite. Ben non, j'ai pas pris la girafe. Elle a dû rester dans la voiture. Ensuite, je suis passée dans un rayon beauté. Ah, ben si, là, il est le girafe. Ah, ça y est, j'ai trouvé la girafe. C'était la girafe avec son scooter. Voilà. Donc ça peut me servir à moi ou à Pauline, hein. Moi, je partage. Donc, je suis passée, comme je vous disais, au rayon beauté. Et puis, je cherchais les fameuses brosses qu'on a toutes, etc. Mais ça fait un moment que je ne les vois plus. Donc, du coup, je vois un petit lot là de 20 trucs. Je me dis, mince, c'est. Je m'arrête devant le cosmétique. Et puis, je me dis, bah tiens, des éponges, ça peut servir. Là, je sais que c'était 1,44 € les 20, là, le petit sachet là. J'ai dit, ça peut servir parce qu'il y a différentes formes, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer ça. Vous le voyez à l'intérieur du sac, mais bon. Donc, certes, elles sont bien fines, mais ça peut aider pour les pochoirs, pour faire des fonds. Donc, il y a les rectangles. Il y a les rondes. Donc, je vais dire, elles sont maniables. Donc ça peut être réutilisable et lavable, je pense. Je sais pas si vous connaissez déjà, mais bon, moi c'est la première fois que je les vois. Donc là, c'est des petits effets triangulaires. Bon après, c'est. Voilà. Personnellement, je les ai pris pour le scrap, hein. Donc là, en forme de poire pour plutôt tapoter. Et. Hop là, pardon, il y a du bruit, je suis désolée. Et une plus grosse poire. Donc en plus, c'est super agréable, ça peut même déstresser si vous voyez. Donc voilà. Donc d'abord, j'ai pris un petit sachet comme ça de l'eau de vinte. Et du coup, je me suis dit, ensuite, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, ben tiens, vinte. Après, je ne connais pas la qualité, il suffit que ça s'abîme vite. Qu'est-ce que je fais? Donc, du coup, j'en ai repris un deuxième. Bon, après, je pense qu'elles vont être. Je vais les laver de temps en temps. Mais je pense que voilà, j'ai repris tout de suite un deuxième parce que je me suis dit. Je me suis fait avoir parlé avec les brosses. J'en avais pris une fois, il y en avait trois dedans. Et depuis, je n'en ai plus jamais retrouvé. Donc là, j'ai pris tout de suite deux sachets. Ensuite. Qui n'est pas scrap, parce que je passe du coq à l'âne, encore au rayon beauté, du bain moussant, pour des bains avec de la bonne mousse qui sentent bon. Ensuite, pour le boulot, pour picorer un petit peu, des petits gâteaux fourrés aux amandes. Donc, comme dit, en général, c'est 1 € entre 1 et 2 €, quoi. Et puis là, chose que ça faisait très 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 longtemps. Je vais débarrasser un petit peu tout ça. Hop là, par là. Par là. Et par là. Là, j'ai mis un petit morceau de carton parce qu'il y a le reflet sur la plaque en verre et ça faisait super pas cool. C'est comme Super Pas France. Mais bon. J'ai trouvé des blocs 30-30. Ça fait hyper, hyper, hyper longtemps que je n'en ai pas acheté.
Là, celui-là, j'ai aimé un peu le truc, le style rétro, rigolo, enfin, voilà. Donc, ils sont recto verso, c'est 1 euro et des patates aussi, 1 euro 50 ou 1 euro 99, un truc comme ça. Je sais plus exactement, j'ai pas la facture là, j'ai en haut dans mon sac à main. Donc là, il y a des petits yeux. Là, c'est vert. Là, c'est des... On peut les découper ou les laisser pleins, à voir. L'autre côté, c'est une petite route. Donc, je sais qu'avec la vidéo, c'est pas toujours facile. Voilà. Ça faisait très, très... Je vais le mettre comme ça. Hop, pardon. Voilà. Comme ça, vous voyez. En bas, en haut, en même temps. Là, toujours là, c'est comme tout à l'heure. Des petites marguerites, pâquerettes. Là, toute une page d'étiquettes. Bon, ça, je trouve ça sympa, mais ce qui est dommage, c'est que l'anglais et moi, c'est deux. Et tout est écrit en anglais. Mais bon, après... Ah non, pardon, il y en a en français, là. La vie est belle, joie de vivre, à présent, for you. Ouais, bon, il y a du moitié-moitié. Bon, il y a plus de... d'anglais que de français. Donc là, nouveau, on retourne, comme dit, voilà. Là, les petits ronds qu'on peut couper. Là, il y a un grand soleil en bas de page. Donc, ça peut éventuellement servir pour une base de... Là, en bleu. Ben là, on... Je pense qu'on est au milieu du bloc et qu'on repart à zéro, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était 1 euro et des broutilles. Celui-là, vous allez me dire, il va te servir à quoi? Écoutez, j'ai flashé sur les images. Je l'ai trouvé trop joli. Un peu effet planète. Celui-là, je trouve magnifique. Je sais pas si vous voyez très très bien, mais bon, je suis pas très... Voilà. Présenter là un peu tout ce qui est univers. Là, du bleu marine avec des petites étoiles, là des petits comment dire, bon, on reviendra dessus je pense après, qu'on peut découper en format carte quoi, qui font à peu près on va dire 10 cm, 10, 15, 15, voilà, toujours des fonds. Là aussi on peut couper, ça fait des petites étiquettes où on peut coller une photo au milieu. Là, c'est juste sublime. Celle-ci, bof, hein, mais bon, après, voilà. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Heureusement qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, les cercles bleus, là, j'adore. Là, la lune en effet pleine lune. Là, les formes géométriques. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis attirée par les formes géométriques, hein. Là aussi, ça c'est joli parce que là vous avez juste la lune ou je sais même pas quoi exactement. Après, ça dépend de votre. Voilà. Et là, on repart, quoi. Donc voilà. Je vais peut-être vous monter un peu. Je suis pas très très douée, j'ai pas trop l'habitude. Ensuite. J'ai pris le Botanic Garden, Botanical Garden. Donc là aussi, sur le coup, je me suis dit, ouais, non, bof. Et en feuilletant les pages, j'ai réfléchi un petit peu. Et puis j'ai trouvé que, bon, certaines sont bien chargées. Mais ça, par exemple, c'est bien. Ça peut super servir. Il y a des pages, voilà. Ça peut être super joli. Des fonds que j'aime bien. Celui-là, par exemple, il est très original. Bon, ce qui est chargé en fleurs, c'est... J'aime moyen, mais bon. C'est plutôt les effets comme ça qui... Les effets comme ça, un peu mouchetés. Donc là, on revient de nouveau. Donc voilà.
Donc, en gros, vous voyez déjà un petit peu devant comment que c'est, quoi. Hein. En plus, il y a des petits reflets. Donc, voilà. Ouais. Donc, j'ai dû enlever cela. Et il y en a un quatrième. Let's get cozy. Alors, celui-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai hésité à en prendre deux. Parce que je me suis dit, quand on commence un truc, des fois, il nous en manque. Et quand on y a, quand on va, on ne trouve plus. J'adore les couleurs. Je ne sais pas comment que ça rend en vidéo, mais là, elles sont sublimes. C'est chocolat, café, comme ça, c'est génial. C'est joli comme tout. Là, des petites étiquettes à découper ou à laisser plein, à voir. Là, je kiffe quoi. J'aime beaucoup ça aussi. Et là, pareil, des petites étiquettes. Donc là, avec le petit contrinque, les arrondis de bois. Là aussi, avec le café Love Party. Je l'ai trouvé super. Comme dit, je vous l'ai déjà montré dans un sens. Donc là, vous voyez l'autre sens. Ben, du moins, déjà une petite partie parce qu'au niveau cadrage, je suis pas au top. Voilà. Voici la petite vidéo. Et ensuite, c'est tout. Ben ouais. La vidéo est déjà finie, mon haul est déjà fini. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Une petite. Bon, il y avait encore des autres choses, mais bon, les chaussettes et tout ça vous intéresse pas. Mon homme s'est pris des chaussettes, s'est pris des lacets, et puis je ne sais plus quoi, des cure-dents. Donc, ça après, voilà, hein, c'est un détail. Hein. Je vais pas vous le montrer. Donc, ça, j'ai flashé, j'ai été fan, fan, fan. Donc, ça passera, je pense, en couture. Mes cotons, je vais tester avec le hard journal pour faire des fonds. Et les tampons, je verrai avec la petite. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, bonne soirée et à bientôt. Bye bye!